Je partage avec toi tous mes secrets ninja sur la vidéo jusqu'au bout. C'est le sujet aujourd'hui là. On va gâter le coin. Les gars vont devenir fous dehors, mon frère. Quand tu passes comme ça là, c'est le teint de elle. Alors la famille, nouvelle vidéo aujourd'hui, je suis trop contente parce que vous m'avez tellement demandé. Déjà, faites pas trop attention à ma voix, je suis grippée, donc j'ai presque plus de voix. Mais vous m'avez tellement demandé ce genre de vidéo, mais je savais même pas que ça vous intéressait. Mais je me suis dit, c'est vous qui commandez, c'est vous qui gérez le bateau. Pourquoi? Mais c'est une vidéo que vous avez tellement eu à me demander en commentaire et tout. Je me suis dit, ça les intéresse quand même. Vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont demandé, donc je vais le faire aujourd'hui. On va parler de beauté, les gars. De beauté, routine, teint et tout. Ouais, c'est trop contente. Mais je ne savais même pas que ça devait vous intéresser. Bonjour la Glam Family. J'espère que vous allez bien, 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 bien. Moi, j'en porte assez bien. Mais quand même, je suis quand même un peu malade. Hein. Je suis grippée et tout. Ça fait déjà... je crois 3 jours à 4 jours déjà que je suis grippée. Je dis, non, je devais faire la vidéo hier, mais vu que je suis malade, hier j'avais même pas de voix, j'avais même pas parlé. Il y a qu'aujourd'hui, quand même avec les tisanes, j'ai fait aujourd'hui nouvelle vidéo. Avant ça, on va se présenter. Déjà, moi c'est Glam Pinka. Si tu ne me connais pas, que tu regardes à peine sur ma vidéo, nanana, je connais déjà le truc. Moi c'est Glam Pinka et bienvenue à toi dans la Glam Family. Ici vraiment, c'est la Glam Family. On papote, on parle de tout et de rien. On se dit tout en commentaire, ce que tu veux, tu dis, tu as des questions, tu poses. Tu veux un truc, un genre de vidéo, tu n'as qu'à demander et moi je le fais. Tu vois, c'est comme ça. En passant, n'oublie pas aussi de t'abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo et aussi d'activer la cloche. Tout ça, c'est grave important. Moi, j'adore les commentaires. J'aime trop quand vous... En fait, ce que j'aime plus, j'aime tout. J'aime l'abonnement, j'aime les commentaires, les likes. J'aime tout, j'aime tout. Donc, n'hésite pas à le faire, même si la vidéo ne te plaît pas, les gars. Par courtoisie, quoi. Tu vois, on est poli ici. On n'est pas des impolis, on n'est pas mal poli, en fait. Un peu de courtoisie, et même petit like, un petit commentaire, ça... rien, même si tu n'as pas aimé la vidéo, tu peux même critiquer, mais les bonnes critiques positives, hein. C'est pas venir m'insulter là, ouais, non, mais tu fais une bonne petite, tu peux faire une critique si peut-être il y a quelque chose que tu n'as pas apprécié dans ma vidéo, tu le dis, donc tranquille. Alors là, j'ai voulu prendre un verre de jus, mais je vais pas le faire, je vais pas le faire parce que j'évite tout ce qui est glacé en ce moment, que je suis grippée et je peux pas boire un jus qui est chaud, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo, les gars, nouvelle vidéo. Avant cette vidéo là, je vous attends. C'est quoi? En fait, vous êtes timide. Pourquoi vous êtes timide, ma communauté? Pourquoi vous êtes timide? Je ne vois pas assez de gens sur Instagram, là. Il y en a qui vont s'abonner, mais c'est très timide. Allez vous abonner à mon Instagram, c'est Glam Pinka. Glam Pinka, sur Snapchat, c'est Larissa Pinka. Donc, là-bas, sur Insta, vraiment, vous ratez des trucs de ouf. Parce que là-bas, je poste tous les jours des stories, des petites tenues et tout. Vous ratez tout. Vous ratez tout. Des bases. Je donne aussi des petites astuces là-bas. Hein. Comme vous aimez les astuces là, je donne des astuces sur Instagram. Peut-être ça fait 2 semaines que je n'ai pas donné, mais là, j'aurai une petite astuce que je vais donner, je vais partager, rien qu'avec la communauté d'Instagram parce qu'on ne va pas choquer. Je ne savais même pas que j'allais faire ce genre de vidéo dans ma chaîne déjà au préalable. Je ne savais même pas. Mais à cause de vous, je me suis dit, bon, pourquoi je ne vais pas le faire? Mais je ne vais pas vous montrer les produits. Je vais vous montrer les produits, mais les produits sont déjà utilisés parce que moi, ça, comme je vous dis, je ne savais pas du tout que vous allez me demander ce genre de vidéo et moi je n'avais jamais prévu de faire ça, donc je vais tout simplement partager avec vous ce que moi j'utilise comme lait de corps. Aujourd'hui je vais juste mon lait hydratant de corps que je frotte, peut-être en fait moi-même je prépare ma propre savonnette, tu vois, regardez, j'achète des savonnettes et moi-même je prépare pour que ça me donne ce que je veux. Parce que je prends une savonnette, je frotte, ça me donne pas le rendu que je veux, mais il faudrait que je prenne 1, 2, 3, je sais pas, je fais des mélanges, je prépare ma savonnette et là boum, souvent je fais même moi-même mes propres gels de douche. Donc si ça vous plaît, dites-moi en commentaire, comme ça je ferai plus souvent ce genre de vidéos, comment faire des savonnettes, machin, comment faire des gels de douche, machin. Moi j'en fais et je vais pas vous cacher que ce genre de truc, moi je vends ça souvent, c'est vraiment, ça fait partie de mes business ici. C'est ce que je fais, je vends des articles, des laits de corps comme ça, et les savonnettes et les gels. Mais vu que je vous vends en famille, tu vois, je ne vais pas, je ne vous vends pas, je vais juste partager avec vous, et la personne qui sera intéressée va acheter les produits, il va faire ça chez lui. Mais moi ici, je vends, même si d'habitude je montre des produits, mais il y a des gens qui ne savent pas le faire, et puis je ne vais pas aussi montrer ma petite touche que je mets dans la, les crèmes que je vends. Je ne vais pas vous montrer, mais je vais vous montrer la base des bases, tu vois, pour quand même, avec ça, je pense que t'es bien, t'es slick, t'as un teint de rêve. Déjà, pour moi, ici, j'appelle les crèmes là, les crèmes à couper le souffle. Tu vois, donc, tu peux pas passer inaperçu. C'est pas possible que tu passes inaperçu quand tu frottes ce genre de crème. C'est pas possible. À chaque fois que tu passes, il y a des gens qui vont te regarder parce que t'es tellement propre, t'es tellement bête, t'es tellement rayonnante. On va commencer, je vais vous montrer déjà la crème que moi, je frotte. Et c'est pas vrai, en fait,
Moi, je n'aime pas payer les produits chers. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment à moins de 5 000, tu vois. Pas le tout, c'est à plus de 5 000, mais l'unité des produits, c'est à moins de 5 000 francs. Donc, moi, je n'aime pas trop payer les choses chères. Moi, je suis très économe, donc j'essaie de prendre des trucs moins chers, mais qui sont bien. Ne va pas prendre des choses qui sont trop moins chères, mais qui vont venir te gâter la peau, tu vois. Par exemple, je suis trop le moins cher, c'est des produits qui ne sont pas forcément bien travaillés et tout. Déjà, comme lait de corps, comme ma crème de base, c'est ça que je frotte. Ça, les gars, moi, je frotte ça depuis fort longtemps. Je vous assure, j'ai découvert ça. Avant, je frottais... c'est pas possible, j'ai oublié. Avant, je frottais Perfect White. Ouais. Et à un moment, ça m'allait. Après, c'était trop bizarre. Ça me donnait un peu les vergetures et tout. Après, j'ai laissé Perfect White. J'ai commencé à frotter Clinique Claire. Clinique Claire, ça m'allait. Mais des moments, quand je frotte. Après un moment, ça marche plus. Il n'y a plus d'effet. J'ai arrêté. Après, j'ai découvert cette crème. C'est-à-dire, c'est un lait peau jaune. C'est une crème qui est aux acides frais. Déjà, moi, c'est ce que j'utilise. Je vous montre déjà ce que j'utilise. Est-ce que tu as bien vu? Donc, ce que moi, j'utilise, ça, c'est mélangé déjà. Là, je l'ai déjà travaillé et tout. Mais bon, ça, moi, perso, j'achète vraiment des trucs qui sont aux acides frais. Ça passe hyper bien avec ma peau. Vraiment, si je prends des trucs, des laits de corps à la carotte, ça va faire noircir. Si je prends au citron, ça va me donner... Ça va par contre me rendre rouge, un truc. Là, j'aime pas et tout. Mais ça, ça me rend vraiment bien jaune. Sans le mélange seulement, ça me fait la maintenance de mon teint. Sans plus, sans mélange, ça fait la maintenance, ça va t'éclaircir, mais pas trop vraiment. C'est vraiment une éclaircissement très très léger. Et moi, j'aime pas tout ce qui est léger. Moi, j'aime quand les choses sont fortes, tu vois. J'aime quand les choses sont bien fortes, bien dosées, bien frappées. Là, qui n'aime pas ça? Qui n'aime pas quand c'est rapide et fort? Comme concentré, il y a un concentré que je mets toujours. Ça, c'est la base. Mais lui, là, je ne sais même pas où j'ai jeté le flacon. Vous allez voir que les autres flacons sont même vides parce que j'ai tout mis à l'intérieur. L'autre, je ne sais même pas où je l'ai balancé, wesh. Le concentré que j'utilise aussi, c'est la base des bases. Celui-là, je le laisse. Le concentré piment doux, celui-là, je l'utilise vraiment tout, everyday. Soit en soi que je prépare ma crème, il est toujours à l'intérieur. Parce que le piment doux, là, ça vient, c'est le piment doux qui enlève les quintos, machin, tu vois. Ça vient bien nettoyer, quoi. Parce que c'est gommant. Je prends le concentré, celui qui est lourd, là, jaune à l'intérieur. C'est celui-là que j'utilise. Donc, il est vraiment gommant, tu vois. Donc, ça enlève un peu les quintos, machin. Donc, si vous voulez tout connaître, dites-moi en commentaire. Souvent, je fais aussi des gommages et tout. Bon. Bref, next. Hormis le lait, maintenant quand je fais la préparation, j'utilise aussi ça. Je pense que tu connais ça. Je ne sais pas si tu connais ça. C'est genre... déjà, par rapport au lait, je l'achète à 2000 francs chez moi ici. Et tu peux le trouver partout dans les marchés et tout ça. Donc, lui là, c'est un concentré Thermétis Plus. Donc, tu peux voir Métis Plus et tout, c'est un concentré. Mais là aussi, il est hyper bien, je l'utilise. Je l'avais testé une fois, c'était trop bien. En fait, j'avais aimé les résultats, mais je ne l'ai plus du tout laissé jusqu'aujourd'hui. Je l'utilise tout le temps, je le mets tout le temps dans ma crème et tout. Donc, j'utilise ça aussi. C'est un concentré super éclaircissant aux acides frais. Je vous ai dit que moi, j'aime trop tout ce qui est aux acides frais, les gars. Je vous donne un petit topo. Si tu veux éclaircir ta peau et que tu veux aller très vite, tout ça là, c'est de l'argent. Donc, on veut forcément acheter le produit qui va tic-tac. Tu vas pas aller prendre un truc qui va doucement. Après, tu vas encore dépenser pour avoir l'effet que tu veux. Si tu veux vraiment aller très, très rapidement, prends les concentrés qui sont aux acides de frais. Moi, je trouve que c'est la base. Je suis une grosse frotteuse de crème. Tu vois, je teste beaucoup de lait. Comme je vous ai dit, je vends. Et j'ai vraiment fait cette remarque-là que tout ce qui est aux acides de frais, les gars, ça va tellement vite, je vous assure. Et c'est trop bien. Et le plus souvent, ça va avec un grand nombre de personnes. Donc, ça, vraiment, c'est la base. C'est jaune comme ça à l'intérieur. Mais il est quand même un peu léger. Par rapport au piment doux concentré, il est assez lourd. Mais là, il est très, très léger, tu vois, limite. Et il est très bien. Comme ça, là, je verse tout dans la crème, tu vois. Je garde rien. Et après, on va sur ça. Ça aussi, il est trop bien. Ça aussi, c'est un Thermétis Plus. Mais il n'est pas du tout pareil. Oh, lui, là, c'est la base. Maman, Nangaye, maman. Aïe, pardon, ça va chauffer ici. Ça va chauffer. Il faut commenter. Ah, là, ça, c'est ma base. Ouh, papa. Ça. Ça, c'est le teint des rêves. Ça, c'est qui vient jaillir le teint. Non, ça, c'est qui vient te donner cet effet teint métis. Vraiment, ça, je ne peux pas faire la crème sans ça. Solution rapide, concentrée, anti-tache pour teint métis et sans tache. Résultat, 72 heures. Quand on te dit 72 heures, là, vrai, c'est rapide. Hein. C'est un blanchisseur concentré aux acides de fruits. Je vais te montrer que moi, je ne blablate pas pour rien. Tu as capté?
J'essaie de mettre du temps comme ça pour que bien cap. Faites même les captures d'écran. Les gars, faites même les captures d'écran pour garder le produit en tête. Donc, je mets du temps comme ça pour que vous puissiez bien voir. Je vous ai dit que moi, j'utilise vraiment tout ce qui est aux acides de fruits. C'est ça là qui passe avec moi. Et avec la majorité de mes clientes ici là, ça passe avec la majorité de mes clientes. Que tu sois noir, tu veux devenir jaune. Quand je te dose, tu as les résultats. Et ça, c'est pour moi même. C'est que moi, j'utilise, c'est ça. Avec des clients, je peux utiliser autre chose. Mais ce que moi, j'utilise, vous m'avez demandé pour moi là, c'est ça. L'huile là, c'est un extra fort. Il coûte combien même? C'est pas cher. Je pense que c'est 4000 francs. En France, ça va. Mais non, je vais chez vous combien ça coûte. Moi, j'achète à 4000. Mais souvent, je prends. Bon, chez nous, si on discute les prix, quand tu dis 4000, là, tu peux même prendre à 3500, même 3000. Donc, tu n'es pas genre maman Mola, 4000, tu payes à 4000 aussi. Donc, du coup, ça, vraiment, les gars, c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Vraiment. Laisse même un. Non, il n'y a rien à laisser. Achète tout. Pardon, même si tu n'as pas l'argent, dis à ton gars là qui te donne l'argent, dis au gars qui t'a qu'à te mouiller le truc. Il n'a qu'à te mouiller le maillot parce que il faut être belle. Oh là là, bref. Après, je mets, j'utilise aussi ça. Lui là aussi, maman, ça j'ai découvert ça aussi. Ça fait pas trop longtemps que j'ai découvert et j'ai testé et j'ai adoré. Vraiment, j'ai adoré les résultats. J'ai vraiment kiffé de ouf. Je ne sais même pas quoi te dire, hein, mais j'aime trop. Je ne sais même pas en fait, parce que c'est tellement bien. Donc, je vais partager. Vous voyez comment les produits sont vides. La crème est travaillée déjà. C'est tout ce que j'utilise vrai. Tu vois comment c'est? C'est un tonique là. C'est un tonique blanchisseur, tu vois, à la kénacol. Super éclaircissant aux acides de fruits. Toujours aux acides de fruits. Pour moi, c'est acide de fruits, ça, parce que ça doit déjà. Tu vois un peu? Regarde. Va regarder ça. On vend ça partout dans les marchés. Je ne vais pas seulement aller prendre le faux. Il faut faire attention de ne pas aller prendre des faux produits aussi. Alors, il faut vraiment prendre la bonne qualité des produits. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas forcément opter pour les produits qui sont trop moins chers. Parce que les produits qui sont moins chers, là, ça graisse trop la peau, tu vois. Et ce n'est pas du tout bien. Il faut quand même opter pour les produits qui sont un peu chers. Parce que ça, au moins, c'est bien, c'est plus travaillé et tout. Et ça va, et ça donne le résultat que tu veux. Sûr. Rien de plus que je fais. Souvent, j'ai l'habitude de changer. Vu que moi, je vends les crèmes, j'ai l'habitude de changer de trucs et tout. Mais là, je suis vraiment sur ça. C'est vraiment ce que j'utilise. C'est vraiment tout ça que j'utilise, les gars. C'est vraiment tout ça que j'utilise. Il ne manque là que le concentré des piments doux. Je ne vous cache rien, les filles. Nous, on est en communauté. C'est la famille. Donc, je ne veux pas venir vous donner des trucs que moi-même, j'utilise. Vous voyez comment c'est vite. Parce que c'est là. Tout ça, c'est dans ma crème là. T'entends? Tout ça, ça l'intérieur. J'ai déjà préparé. Moi, je ne savais pas que vous voulez me... que ce genre de vidéos devait vous intéresser. Donc, prochainement, si vous voulez même, quand je vais préparer la crème encore, je vais filmer, je vais vous montrer en vidéo comment je prépare la crème. Si ça vous dit, hein, c'est comme ça, là, il y a d'autres qui ne vont pas du tout s'en sortir. Maintenant, là, c'était juste pour la crème que je frotte, le lait, le corps et tout. Maintenant, ceux qui veulent savoir peut-être les trucs comme pour le visage, la lotion, des choses comme ça, les savonnettes, comme je disais dès le début, vous n'avez qu'à me dire en commentaire, comme ça, je vais faire les vidéos. Je ne vais pas faire, je vais pas créer des contenus que vous ne demandez pas. Je crée des contenus que vous allez forcément regarder. Donc, ceux qui sont intéressés par rapport aux savonnettes, par rapport aux gels, les gels éclaircissants, savonnettes éclaircissants, même les teints marrons. Je ne vais pas seulement parler des gens qui veulent devenir métisses là. Même les teints marrons aussi, je prépare les crèmes pour teints marrons. Ça, mes crèmes teints marrons, ça marche à 100%. Ça marche à 100%. Ceux qui veulent avoir, qui sont noirs, qui veulent avoir un teint noir propre là, genre qui est marronné. Oh là là, j'adore. J'aime trop. Donc, ceux qui veulent avoir ce genre de teint marron et tout, dites-moi tout simplement en commentaire. Je vais faire ça pour vous. Et aussi pour les quintos. Bon, là, je ne vais pas mentir. Je fais beaucoup de gommage. Hein. Ben, j'avais beaucoup de quintos. J'avais vraiment beaucoup de quintos. Mais là, j'ai vraiment plus de quintos et tout. Ça commence à disparaître là. Et je fais aussi beaucoup de gommage. Même si vous voulez pour les gommages, ou si vous voulez que je partage, dites-moi en commentaire. Donc, c'est la fin de la vidéo, les gars. J'espère vraiment que cette vidéo vous aurait plu, que j'ai vraiment répondu à toutes vos questions. Et que ce partage sera bénéfique pour vous. Je vois par rapport au sondage, je vais sonder un peu. Je vais faire un sondage là, je vais poster dans mon Instagram. Je vais voir ce qui va aller. Soit comment grossir les seins, soit le train haul, la suite du train haul spécial robe entre les deux vidéos. Je vais faire un sondage, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube.
ceux qui vont plus demander pour les seins, je ferai pour les seins. Ceux qui vont demander pour le tranol, je finirai d'abord avec la suite du tranol. Ça va dépendre de vous. Alors les gars, on se fait plein de bisous, plein de gâtés. Moi, je vais sortir. Aujourd'hui, c'est vendredi. C'est vendredi, les copines. Aujourd'hui, c'est vendredi, mon gars. Penka, là, je suis dehors. Je suis dehors, oh. Donc, je vais m'habiller, je vais partir. On ensemble. Bisous. Bisous, bisous. Oh. Je suis fatiguée. Mon Dieu, j'ai mal à la gauche. Et j'ai tellement parlé. En même temps, j'ai crié.